J'étais la seule à pas savoir à quoi sert la petite boule blanche sur les biques. Je parle ici des biques 4 couleurs. Hein. Je sais pas si t'avais déjà fait attention, mais ils ont tous cette petite boule au sommet du stylo. Bon, je t'aurais bien parlé du bic et de son fameux trou dans le capuchon, mais depuis le temps qu'on en parle, on est tous au courant qu'il sert à éviter l'asphyxie en cas d'ingestion accidentelle par les enfants. Grâce à son petit trou, un filet d'air peut toujours continuer à passer. Bref, revenons à mon 4 couleurs. Cette fameuse boule blanche sert à téléphoner. Oui, oui, t'as bien entendu, à téléphoner. Le stylo bic 4 couleurs a été inventé il y a bien 50 ans maintenant, parce que c'était dans les années 1970, et à cette époque, on utilisait encore les fameux téléphones à cadrans. D'ailleurs, t'as remarqué qu'à la base, c'était une petite boule qui était pleine, mais ça a été modifié en une boule creuse. Tu devineras que c'était pour éviter le risque d'étouffement, au cas où quand tu la mordilles, elle se détache, que tu l'avales, et voilà. Donc cette petite boule permettait donc de faire tourner les numéros du cadran. C'était plus hygiénique que d'utiliser ses doigts. Mais c'est pas tout, ça serait aussi un petit clin d'œil à la marque. On connaît tous le fameux bonhomme Bic, dont la tête ronde représente